il n'est pas normal que des enfants meurent parce qu'ils se font vacciner. Est-ce que c'est des produits toxiques qu'on met dans les vaccins? Est-ce que tous les vaccins doivent être recommandés de la même façon? Et en plus d'obliger maintenant les parents à se faire vacciner sur 11 vaccins, regardez en Italie, il y a des milliers de personnes qui défilent parce qu'ils sont contre cette vaccination obligatoire. Elle était de 12, maintenant elle n'est plus que de 10. Et puis, il y a des tas de gens qui râlent contre ça. Même les médecins devraient râler. C'est aux médecins à décider si l'enfant est susceptible de recevoir autant de vaccins, s'il n'y a pas une fragilité, s'il n'est pas immunodépressif. C'est ça qui est important. Et est-ce que vacciner sur la varicelle, comme en Italie, ou sur la rougeole, où il y a très peu de morts? On parle de 10 morts depuis des années 2008. Alors qu'on sait très bien que si une femme allaite son enfant, eh bien, elle lui transmet les anticorps. Et puis si un enfant prend la rougeole, eh bien, il a des anticorps à vie.